Ah putain, ils nous regardent, les gars, on est cramés. Les gars, avec moi. Le goal, les amis, aujourd'hui, c'est de monter tout en haut parce qu'il y a une grue. Et en fait, on va accrocher la corde que vous voyez tout le temps dans nos stories, dans nos réels, que ce soit de la 3F, des amis de la 3F, etc. et tout, pour nous balancer. Mais lui, il a marché sur un vomi, après, il a marché sur une barrière, il a glissé. Monte ta blessure de guerre à nouveau. Monte ton bleu. Monte ton bleu. Je sais pas si j'ai un bleu. Si, mec. Oh la vache, oui, d'accord. Je sais pas si t'as un bleu, frérot. Je sais pas, je t'assure que t'en as un. Je comprends pourquoi t'as gueulé. Hein. Bon, ça va aller, tu vas pouvoir grimper avec ça. Ok, ouais. Là, on est en train d'installer la corde et on va essayer de faire un petit balancé. On a l'habitude un petit peu de faire ça sur les arbres, dans la ville, un peu par terre. Et là, on s'est challengé. C'est une idée en général avec tout le monde. Hein. C'est un peu tout le monde qui a eu cette impulsion d'aller accrocher la corde sur une grue. Nous y voici. On commence bas et on la monte au fur et à mesure, histoire de voir jusqu'où on peut aller. Après, ça fait quand même un an en soi qu'on s'entraîne à justement faire ça. Quoi. Ça fait exact. Un an qu'on se balade un peu partout dans Paris pour faire des versions un peu moins extrêmes que celle-là. Ouais, de base, c'était mon idée parce qu'on est allé sur cette grue-là avec Oumoud qui est juste ici. Oumoud qui va nous aider aussi à filmer quelques plans en plus aujourd'hui. Merci Oumoud, c'est que de mecs qui tiennent des caméras. On avait pu faire des vidéos où on marchait en haut, on suspendait tout ça, donc c'était rigolo. Et du coup on a réussi à mettre une date et c'est possible de le faire là. Les premières sensations, c'est assez rassurant. Ça fait pas réellement peur vu qu'on s'éloigne pas trop de la grue. Ouais. C'est cool. Pas trop d'efforts physiques, juste le fait de... On peut s'amuser à tourner tout ça. Et c'est impressionnant. La corde elle est un peu basse, mais on va la monter dans quelques minutes. On répète encore une ou deux fois quand même, histoire d'être sûr, histoire de bien prendre possession de l'anneau. Après on la met à peu près là où est Oumoud. Il est en train d'attacher l'anneau à la corde et on a monté de pas mal de crans. Et là, on est quasi au niveau final de ce qu'on, en tout cas, on imaginait. C'est vraiment un truc de ouf. Mais c'est les gens, s'ils passent là, ils vont nous voir, on va avoir un œil contact de merde. Eh, vaut mieux se barrer avec les images maintenant. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ah putain, ils nous regardent, les gars, on est cramés. Les gars, on est cramés, c'est sûr. Oh non, je jure. Alors là on a dû redescendre très rapidement, enlever la corde en vitesse et faire redescendre tous ceux qui étaient sur la flèche parce que apparemment il y a la police qui est juste en bas. 44. Arnaud, tu vas nous dire si la police est là, on va brancher un canon. Normalement la police est juste en face, un petit peu décalé là. Bah, on envoie le plus fragile d'entre nous. Le plus gros Yankee. T'as une tête de bourgeois, vas-y sors. T'es blond comme tu es. Il va dégainer de skater, donc il est
Ciao, ciao. Redis ce que t'as dit tout à l'heure sur le tour. Genre, on va sortir, on va voir Arnaud. Arnaud, libérer l'Arnaud. Parce qu'on a des collègues qui sont montés quand même pour vous chercher de base. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que t'as ouvert cette porte? J'ai ouvert la porte, j'ai regardé les mecs, ça, et du coup moi je suis parti en skate tranquillement. Et après je me suis retourné pour traverser en mode comme un citoyen normal. Et le mec m'a fait: monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Et il voulait arrêter l'autre mec avec l'autre mec. Mais oui, parce que le pire c'est qu'il est pas sorti tout seul, il y avait un autre mec qui est sorti avec lui. Avec le gars, je pense qu'on aurait dû sortir tous en même temps que le gars. Et dire au flic: c'est lui. C'est la classe.